de My Summer Car, donc pas l'un des derniers parce que je pense qu'il en reste encore pas mal. Donc on va se faire un petit truc. Vous vous rappelez, dans le dernier épisode, je me suis crashé en fait avec ma camionnette. Et aujourd'hui, on va aller chercher la camionnette, ramener la voiture avec la camionnette et tout ça juste avec ça. Donc en gros avec la voiture. Ça va être plutôt sympa. Bien je pense. Hein. On va essayer de voir ce... Je t'ai demandé un truc, c'est pas pour que tu me fasses autrement. Donc j'espère qu'elle va pouvoir au moins arriver jusque là-bas. Il faut qu'il fasse jour. Je crois que ma direction est pas terrible. Ah, je crois que je suis à sec. J'ai plus de batterie. Ah, j'ai plus d'essence. Je suis mort. Non, je suis pas mort, mais... Donc là faut que j'aille chercher ma voiture moi-même en fait à pied. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Bah non, quoique. Moi je vais faire une petite pause et donc re les amis, on se retrouve pour la suite de l'opération sauvetage. Je ne bois rien en fait, c'est le problème. Ça c'est que je ne bois rien. Mais je sais que je suis mort de l'autre côté en fait, c'est pour ça que je vais de l'autre côté. Surtout. Non, je dois pas être très loin, mais putain, mais sérieux, il avance pas de perso. Hein. Mais je vous dis concrètement, j'y vois rien.
J'y vois absolument rien. Là, il fait tout noir. Là. C'est tout noir. Oh putain, je m'éloigne vachement de la route quand même. Je crois que j'ai joué au con là en fait. C'est vrai, comme ça je pourrais jamais trouver ma voiture en fait. Donc ma voiture n'est toujours pas là. Mais cette fois-ci, je vais pas jouer au con comme j'ai fait dans l'épisode dans l'autre partie, je vais prendre quand même la lampe torche. Et je vais prendre ça, parce que ça donne à manger et à boire. Donc hop, voilà. Au moins une bouteille, histoire de pas trop casser la tête. Bon, tu veux pas rentrer ou c'est moi là? Voilà. Donc là, on se met en mode conduite. Ça devrait être mieux. On va essayer de le faire mieux hein, cette fois.
Là, je suis assez concentré, je veux éviter de mourir comme un caca. Qu'on n'était pas arrivé là tout à l'heure, on a moins consommé d'essence deux fois. Je pense qu'en fait c'est surtout la première et la deuxième qui consomment. Après, dans la vérité, en tout cas c'est comme ça que ça marche un peu, à peu près. Ah, c'est, j'ai plus d'essence là, je pense. Non? Oui, je suis à sec. Mais je suis allé bien plus loin que tout à l'heure. Hein. On va essayer d'aller le plus loin possible avec la voiture. Donc voilà, on est arrivé à peu près. Est-ce que je bois ça tout de suite? Attends. On va couper ça. Hop. Puis on est bon pour repartir. Donc là, même s'il fait nuit, c'est pas très grave, on a la lampe torche. Mais non, là, on doit pas être très loin de la de la camionnette. Ok. Donc là, ça va vraiment être un assez long épisode, mais c'est l'épisode du sauvetage. Hein. Mais de toute façon, je vais couper, je pense, pas mal de parties qui seront un peu chiantes ou accélérées. Des parties. Peut-être pas les enlever, mais les accélérer. Là, non, je dois plus être très loin de ma voiture, normalement. What? Ah, mais il y a des animaux sauvages qui passent comme ça, là? Mais c'est nouveau! Me, come on baby, touch me, show me where it hurts, this dirty little
fait, faut vraiment tout le temps sauvegarder, quoi, dans le jeu. C'est le maître mot de jeu. Quand on voyage, faut tout le temps sauvegarder. Oh putain, je suis fatigué à fond, j'ai soif. Je sens que je vais mourir avant en fait de retrouver. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai soif mais j'ai pas faim. Mais ça éclaire ce truc. Ah oui, éclaire. Mais pas beaucoup visiblement. Mais c'est déjà mieux que rien, je trouve, hein, quand même. Parce que tout à l'heure, on voyait rien de rien. Là, ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas enregistrer de partout, en fait. Et que, par exemple, je sais pas, avant de mourir, j'aurais peut-être pu enregistrer, et voilà, ou un truc du genre, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Dès que j'ai fait le con, j'aurais mieux fait d'aller chercher... la grosse camionnette et puis de le gros camion et puis après de ramener la camionnette. Mais là pourtant ça fait un bout de temps que je marche, non? Ça fait 5-6 minutes. Ok, ok, je peux même pas passer à travers ces merdes. Putain, je devais quand même être assez loin hein, pour venir comme ça, comme un caca là. De toute façon, je vais bientôt mourir, je pense, là. Hein. Bon, on va recommencer, les gars. Donc, la suite. Cette fois-ci, on va pas utiliser la voiture. On va utiliser le brouette. Ah non, merde, pas la brouette. Le camion, en fait, on va aller chercher le camion. Oula. Donc je sais pas si le problème va se régler avant la fin de la série sur My Summer Car, en fait, que en fait vous entendiez pas le son. Je sais pas de quoi ça vient parce que moi je l'ai et tout dans le casque, mais vous l'avez pas dans la vidéo, donc je sais pas d'où ça vient.
ça me paraît un peu bizarre, mais je sais pas. Voilà. Je n'en sais rien. Et je suppose que ça se conduit comme une voiture. Ben, comme une voiture. Enfin, ils sont parlés d'un... Ça se pilote comme une voiture, quoi. Allez, go. Ah non, pas go. Attends, c'est quoi déjà le truc pour pousser, non? C'est pas ça. Cherche mes touches, hein, ne vous inquiétez pas. Ok, donc je suis carrément sous l'eau en fait, mais je ne meurs pas. Ok. Ah oui, mais il faut que j'enlève ça. Okay. Donc, hop. Mais je suis bien driving maintenant. Oui. Mais pourquoi ça marche pas, ce trou du cul de machin là? Ah, voilà pourquoi.
Bon bah ça doit être là parce que j'entends le mec qui fait jouer avec sa voiture, je crois. Ah et puis j'entends la musique, ouais c'est là. Ah bah là voilà. Putain le quai en plus il est juste à côté, je l'avais pas vu. Bon donc dans cette vidéo il y aura pas mal de montage, j'espère que ça vous plaît cette série parce que vraiment là je me donne vraiment, sur cet épisode en tout cas je me donne beaucoup. Ah merde non, c'est pas lui, mais j'en suis pas loin. Mais ouais je me donne beaucoup de mal dans cette série donc comme vous voyez on recommence plusieurs fois les mêmes trucs, ça devient chiant. What the fuck bro? What? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Mais qu'est-ce que mon camion... oui. Ah en fait je suis arrivé par derrière. Ouais on se réconforte un petit peu pour se dire qu'on pourra faire, en se disant qu'on pourra faire la même chose plus tard, à peu près. Après n'hésitez pas à me dire aussi si par exemple vous avez le jeu, vous, en gros à vous, et pas quelqu'un d'autre, logiquement. Donc hop, on se met en mode conduite et on va reprendre le volant. Ah oh, c'est bon ça. Attendez. Ce que je voudrais faire avant, c'est en gros faire revenir le jour si vous voyez ce que je veux dire. En gros, on passe 2 heures à chaque fois dans la... en sauvegardant et en revenant dans le jeu. Donc ce que je veux faire, mon but, c'est de passer la nuit, en fait, en faisant des sauvegardes sans arrêt, en fait. Donc voilà, hop, je vais voir si l'autre il est ouvert ou pas encore. Histoire que je puisse boire un coup. Mais merde, il est pas encore ouvert, tant pis. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Allez, hop, on se tire. Allez, hop. Donc, on va aller chercher la camionnette et après, on repart, je pense, juste avec la camionnette ou avec les deux, j'en sais rien encore. R. C'est vrai que j'aimerais bien que plus tard en fait dans le jeu on puisse choisir en fait sa voiture en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros qu'on soit pas obligé de toujours prendre la même bagnole. Mais pouvoir prendre une autre voiture en gros que celle proposée. Ce que je veux dire par là c'est par exemple ou en avoir plusieurs. Et en gros de pouvoir économiser sur ça en fait. En gros qu'on puisse en avoir une, en acheter une avec toutes les pièces ou pas. Et en plus de celles qu'on a en fait. Hein, ou de les changer en gros et qu'après on ait encore du contenu. Parce qu'au final, moi ce qui me manque sur ce jeu c'est du contenu. Et bien, le contenu en fait il y est quand même, hein. il y en a. Mais ce qui me manque c'est de la nouveauté quoi on va dire. Parce que la voiture,
parce que j'ai déjà vu pas mal de gameplay sur ce jeu. Donc c'est vrai que le contenu est toujours à peu près le même, quoi. Tu remontes la voiture et puis c'est fini. Grosso merdo, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais alors que... Mais putain, mais oh, mais c'est énorme. En fait, les trucs sont tellement pas maniables qu'au final, tu peux pas rouler avec. On va éviter de se prendre le camion. S'il te plaît, merci. Tac. Donc voilà, c'est tellement pas maniable qu'au final, c'est pas intéressant. Non. Donc les amis, on va s'arrêter là-dessus. Je vais essayer de ramener de mon côté le camtar avec la camionnette et tout le bordel. Et on se retrouvera dans le prochain épisode. Si j'ai envie d'en faire un, il y en aura un. Donc voilà. Que vous dire de plus? Si ce n'est ça. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao.